Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout ensemble dans la présence de Dieu ? Amen. C'est une joie encore de nous rassembler ce matin dans sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Yes. Je vais prier pour introduire ces moments, après quoi nous allons rentrer dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu nous fais l'honneur, Seigneur, d'être là ce matin. Oui, tu es là, Jésus, tu l'as dit dans ta parole, quand deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et Jésus, nous croyons, Seigneur, que tu es là par ton esprit et que tu vas encore briller, Seigneur, ce matin, que tu vas encore nous parler. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ces moments, Seigneur, afin que vraiment, mon Dieu, on puisse ressortir encore différent dans l'état, mon Dieu, que nous sommes rentrés. Je prie, Jésus, que tu bénisses ces moments et que tu satures, Seigneur, encore ce lieu, Jésus, de ta bonne présence. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, adoré et loué. Est-ce qu'on pourrait acclamer Jésus pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui? Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici je fais toutes choses nouvelles. Et le Seigneur veut faire des choses nouvelles encore dans ta vie ce matin. On peut taper des mains ensemble. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi tous les jours. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Seigneur, mon âme est rassurée, tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter, et je marche avec toi, et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain.
attention à Jésus. On peut taper les mains ensemble. Amen. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je n'entends ton amour. Tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Tu y vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles, maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi, cette vie que tu m'offres, je choisis. Tu vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Salut.
cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Seigneur, à notre vie.
Oh Seigneur, que chaque, mon Dieu, que chaque personne qui est là dans ce lieu, chaque personne qui nous suit sur YouTube, Jésus, puisse être visité, Seigneur, ce matin par ta présence. Seigneur, il n'existe rien, mon Dieu, qui peut se comparer à toi. Il n'existe rien, Seigneur Jésus, sur la terre qui peut nous satisfaire si ce n'est toi, Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin de tout notre cœur, Jésus. Ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 23 versets 26 à 46. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père,
pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui. » Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il était déjà environ la sixième heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Cette liberté, les amis, a eu un prix. Le prix du sang de Jésus, le prix de la mort à Jésus qui a porté nos péchés à la croix. Il est dit dans Hébreux 10 au verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. » Oui, ce matin, approche-toi de Dieu par Jésus, avec un cœur sincère, avec un cœur humble, avec un cœur bien disposé. Est-ce qu'on pourrait juste prendre ces éléments, le pain et le vin, et prendre ces éléments en mémoire de ce qu'a fait Jésus? Approche-toi ce matin de Jésus avec tes faiblesses, avec ton cœur, avec tes fragilités, avec tes défauts, avec ton péché. Approche-toi de lui sincèrement en lui disant « Seigneur, tu connais ma vie, tu connais les moindres détails, mais je vais te les apporter. » Apporte-lui tes fardeaux. Il va te rendre léger ce matin. Prenons la Sainte Cène ensemble. Jésus institua la Sainte Cène pour que l'on n'oublie jamais le sacrifice parfait qu'il a accompli. Dans Luc 22, 19, il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Jésus désire que tu puisses t'approcher de lui ce matin. Amen. Il a ouvert une voie, il a ouvert un chemin. Peut-être ce chemin est difficile, peut-être ce chemin est rempli d'embûches et étroit, mais c'est le chemin par lequel il veut que tu passes, que tu t'appuies sur lui. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il est le bon berger. Suis le bon berger, ne suis pas autre chose que Jésus ce matin. Amen. Ensemble, je n'oublierai
le prix payé, la main promise, tu pris ma place. Je n'oublierai le sacrifice à cet amour. Je dois ma vie, Jésus, le miracle de ton nom. Jésus, à jamais m'a transformé. Jamais m'a transformé.
Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante
ce lieu adorer Jésus, alors j'élève mes mains, élève tes mains, élève tes mains vers le roi des rois, tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, ce n'est sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, chante mon âme. Ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai ensemble église. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé. Sois digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur chante alléluia, alléluia. Amen, on peut acclamer bien fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Amen. Avant de vous rasseoir, tournez-vous vers 2-3 personnes et dites-leur, c'est bon la présence du Saint-Esprit. Vas-y, dis-lui, c'est bon la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais donc proposer quelques informations, mais peut-être s'il y avait des bien-aimés qui nous rejoignent pour là ou les premières fois, est-ce que vous pourriez vous manifester en simplement levant la main et on va vous accueillir. Oui, là. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On vous souhaite la bienvenue, comme ça on vous voit. Voilà, si vous venez, voilà, soyez les bienvenus. Voilà, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à l'église Ciel ouvert. Amen. Je vous propose quelques informations. Merci aux frères qui passent donc pour les offrandes. Merci pour votre générosité et votre amour fraternel qui permet ainsi à l'église de fonctionner par la grâce de Dieu, mais aussi par votre consécration, votre générosité. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Et d'ailleurs, si vous vous sentez obligé, il vaut mieux pas le faire. Mais ça doit venir du cœur. Je voudrais donc signaler que cet après-midi, les adolescents se retrouvent. Ils se retrouvent donc pour partager un moment ensemble autour de la parole de Dieu. C'est le groupe Authentique. Cette semaine, donc, nous avons des temps de prière, comme nous en avons toutes les semaines, et pour ne pas dire tous les jours. Donc, je rappelle, lundi 18h, mardi 10h, jeudi soir à 19h30, on a une très bonne réunion de prière jeudi dernier, vendredi à 14h et le dimanche matin à 8h pour préparer ensemble la journée dans la présence de Dieu. Et puis, bien sûr, les études bibliques également ont repris. Si vous ne pouvez pas venir le mardi soir à 19h30, on les met sur le site internet. Vous pouvez donc les retrouver également, les études de la parole de Dieu. Actuellement, on étudie les dons spirituels et on continuera, bien sûr, mardi prochain. Entre elles, Fingers, alors voilà, elle est là, donc Marie-Claire. Marie-Claire, on prie pour Marie-Claire, pour sa santé en particulier, afin que le Seigneur la fortifie, lui fasse du bien. Voilà, sois encouragée, Marie-Claire. Donc cette année, si vous avez des dons dans la peinture, dans la fabrication d'objets, de décoration pour la maison ou pour Noël, donc vous êtes les bienvenus au prochain rendez-vous créatif organisé donc par notre sœur. C'est le mardi 26 septembre, donc mardi, à 13h30 pour celles qui sont intéressées. Donc, nous aurons également notre prochain cours de préparation au baptême. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec le Seigneur, donner votre vie, votre cœur au Seigneur. Donc, c'est ce vendredi 29 à 19h, donc le deuxième cours de préparation au baptême. Je voudrais également signaler pour les réunions de maison, ce vendredi 29, ça sera également à 19h. Donc les groupes de maison auront lieu chez Félicie et Antoinette sur la rive gauche et chez Sylvie et Christian au Vaudreuil. Donc voilà. Pour le culte en langue arabe, donc ça aura lieu samedi 30 septembre de 11h à 13h. Donc avec le pasteur Atof et Samir également qui donc organise ces réunions, ces cultes en langue arabe. Dimanche prochain, donc c'est une nouveauté chez Aimer c'est agir, donc notre association culturelle. Donc, et Aimer c'est agir propose en cette rentrée donc le kaba du cœur ou le sac du cœur. Donc sur inscription aujourd'hui au point accueil, vous pouvez aider la banque alimentaire en fonction de votre budget et avec l'aide d'une liste, vous pourrez choisir les denrées à rapporter dimanche prochain. C'est une occasion d'aider concrètement les familles en difficulté ou les personnes seules. Vous prenez un cabas et puis vous allez faire les courses et en allant faire vos courses, eh bien on pense aux frères et sœurs et hélas de plus en plus nombreux dans la précarité.
Je voudrais également rappeler quelques événements. Donc, il y aura Move Normandie, c'est un rassemblement régional de jeunesse prévu le samedi 7 octobre à Caen. Le départ aura lieu à l'église ici de Saint-Étienne. Et donc, pour plus de détails, vous voyez John et Nadia Leroy. Nous aurons également un mariage au mois d'octobre, le samedi 21 octobre, ici à l'église à 15h. C'est Benjamin et Gracia donc, qui ont le plaisir de vous faire part de leur engagement. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Non, voilà, ils brillent, mais pas par leur absence. Oh, mais c'est pas négatif, c'est ce qu'on dit parfois. Alors, je voudrais également qu'on puisse, avant de partager ensemble la parole de Dieu, qu'on puisse présenter le petit Tao chez Vincent et Stacy. Voilà, je vais leur proposer de venir sur le devant et on va prier donc pour Tao et Stacy et Vincent également, cette famille, et tout particulièrement pour Tao qui a des difficultés de santé. Voilà, donc on a prié ensemble à la rentrée au bureau, mais on va prier avec John pour Tao. Alléluia. Alors, je ne vais pas le prendre dans les bras, comme il a une santé fragile et que je suis en contact avec pas mal de bien-aimés malades. Peut-être, si tu veux, John, le prendre dans les bras, peut-être toi, et puis... peu importe les bras, mais je ne veux pas lui communiquer une difficulté. Ça va, Tao? Oh. On se met debout dans la présence de Dieu et on prie pour l'enfant Tao, Stacy et Vincent. Seigneur, nous sommes là réunis ce matin dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu aimes les petits-enfants. Seigneur, aussi tu vois combien cet enfant a déjà connu bien des difficultés, bien de la souffrance. Seigneur, nous te prions afin qu'il soit béni de toi. Seigneur, nous prions afin que chaque jour de sa vie soit marqué par la bénédiction, soit marqué par la grâce de Dieu. Te prions, Seigneur, de soutenir également Stacy et Vincent. Seigneur, tu vois le grand combat qu'ils mènent. Aide-les, Seigneur. Fais-leur du bien, fais-leur grâce, notre Dieu, et qu'ils puissent voir non pas une amélioration, mais une guérison totale. Que vraiment, Seigneur, cet enfant soit porté par la grâce, qu'il puisse accomplir de grandes choses dans sa vie, accomplir des œuvres pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as prévu déjà, alors qu'il était dans le sein de sa mère, tous ces jours étaient inscrits dans ton livre et nous te prions afin qu'il puisse vivre, réaliser tous les plans que tu as formés sur sa vie dans le nom de Jésus et que toutes les forces obscures, démoniaques dans le nom de Jésus soient liées. Et Seigneur, nous proclamons sur sa vie la liberté, la joie, la paix, la santé dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux lui faire un bisou, hein, au nom de l'équipe pastorale. Alléluia. Faites attention aux marches en descendant, donc elles sont étroites, comme le chemin étroit et resserré. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Quelle joie ce matin d'être ensemble dans la bonne présence du Seigneur. On va lire dans la parole de Dieu, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 7 et au verset 9e. Deutéronome, chapitre 7 et au verset 9e. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. Le Seigneur est fidèle. Je sais que
certains d'entre nous, parfois on peut se poser la question, se dire, mais si Dieu est fidèle, pourquoi on passe par tel ou tel chemin dans la vie? Ici, c'est Moïse qui rappelle au peuple de Dieu qui devait entrer dans le pays promis que le nom de Dieu, la nature de Dieu, c'est un nom qu'on n'a pas l'habitude de nommer, c'est un nom magnifique, c'est un nom hébreu ici quand il est question du Dieu fidèle, c'est un nom hébreu qui se dit El, c'est un nom commun pour désigner Dieu, allié à Aman, verbe qui signifie soutenir, appuyer, maintenir. Si on les réunit, on obtient l'idée selon laquelle Dieu est ferme. Dieu est solide, digne de confiance, constant et fiable. On peut dire Amen. Dans un monde où la fidélité est une denrée rare, je lis un commentaire d'un enseignant. N'a-t-on pas l'impression que la vertu de la fidélité dans ce monde se raréfie? Pouvons-nous encore compter, la trouver autour de nous? Vous savez, la Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Et il dit encore, les sportifs de haut niveau ne sont plus fidèles à leur équipe. Les propriétaires d'équipes de sport ne sont plus fidèles aux communes non plus. Nous vivons dans une société où pullulent les clients inconstants, les emplois peu sûrs et les conjoints férus de clubs échangistes. Bon, il va fort, hein ? Qu'est-il advenu du sérieux et de la loyauté ? Parfois, on s'engage et puis on se désengage rapidement dans ce monde. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Fidélité à un principe. On parlait mardi, c'est Camille qui parlait de la piété de Daniel, qui priait 3 fois le jour. Il était fidèle à ses principes, fidèle à sa vie de prière. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Fidélité d'un ami, fidélité d'une cliente, c'est le dictionnaire qui dit cela. C'est la qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité de quelqu'un qui s'y conforme. Fidélité d'un récit. La fidélité donc fait partie de la nature de Dieu, c'est son nom même. Il se qualifie lui-même, le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, comme étant le fidèle et le véritable. Jésus est le fidèle et le véritable. Sa fidélité, dit l'Écriture, elle dure à toujours. Elle n'est pas une fidélité passagère. Elle n'est pas une fidélité éphémère. Vous avez remarqué, Dieu, dans le texte que nous avons lu, dit « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. » J'aimerais te dire ce matin que Dieu est engagé avec toi. Jusqu'à la 1000e génération. Le Dieu qui a été fidèle avec nos parents, le Dieu qui a été fidèle avec ma grand-mère, le Dieu qui a été fidèle avec les hommes de Dieu qui nous ont précédés, c'est le même Dieu qui est fidèle avec nous. Le Dieu qui a été fidèle avec Daniel dans la fosse aux lions, c'est le même Dieu qui est fidèle avec toi quand tu es au boulot, entouré, semble-t-il, de lions. C'est le même Dieu. Dieu est fidèle. Le Dieu de Moïse sera le Dieu de Josué. Vous savez, Josué avait un grand projet. On parlait avec les leaders du droit de rêver, de rêver le rêve de Dieu. La Bible parle des Israélites qui étaient comme ceux qui font un rêve. Et on a le droit d'être des rêveurs dans l'esprit, de croire que Dieu peut faire encore infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons et imaginons. Parce que je crois, voyez-vous, qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Dieu, c'est le Dieu du « tout est possible ». Et d'ailleurs, c'est quand on a l'impression que les choses vont de mal en pire et qu'on ne peut plus gérer les choses que Dieu se lève et gère les choses pour sa gloire. Amen. Dieu disait à Josué, « Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Le même Dieu qui a aidé Moïse à conduire un peuple récalcitrant dans le désert et à cause de cela n'étant pas entré dans le pays promis, l'Écriture nous dit qu'il a vécu des miracles extraordinaires. Mais le même Dieu qui a été avec Moïse, de la même manière qu'il a agi avec Moïse, il agira encore avec un Josué. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu, c'est ton meilleur, Église, est dans ton futur. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière. Le meilleur de notre vie est dans notre futur. La Bible dit que sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Dieu est riche en fidélité. Je ne sais pas, bien sûr, on sait que Dieu est riche, il a beaucoup d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent sont à lui. C'est lui le propriétaire. En réalité, les êtres humains ne sont que des gestionnaires ici-bas. Mais celui qui détient, au final, in fine, l'or et l'argent, c'est le Père Céleste. C'est pour ça qu'on peut dire, mon Père, c'est le plus riche du monde. Dieu est riche en fidélité. Dieu est immuable. Il ne varie pas, il ne change pas. Dieu demeure toujours le même. L'Écriture dit, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. On sait que la terre sur laquelle nous sommes ne va pas demeurer éternellement. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Dieu va refaire, on le voit dans l'Écriture, que Dieu va refaire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais toi, Seigneur, tu restes le même et tes années ne finiront pas. La fidélité de Dieu est non seulement immuable, mais la fidélité de Dieu est inconditionnelle. Dieu demeure fidèle, même si nous, parfois, et pour ne pas dire souvent, nous sommes infidèles. L'Écriture dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous ne sommes pas toujours fidèles, fidèles en pensée, fidèle en parole, fidèle en action. On peut commettre toutes sortes d'infidélités. Mais l'Écriture dit que Dieu est fidèle, il demeure fidèle. Même si toi tu es infidèle, lui il sera fidèle. Sa fidélité n'est pas déterminée par notre fidélité. Dieu est toujours le même, même si nous nous changeons. Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui changent. En fait, on change tous. On peut changer en mieux, on peut s'améliorer, et je vous le souhaite, on peut s'améliorer comme le bon vin. Bon, en réalité, ça c'est écrit dans l'Écriture, la Bible dit que l'homme extérieur se détruit. Physiquement, mesdames, on ne va pas en s'améliorant, c'est écrit. La beauté est vaine, la fleur se fane. Il y a un certain éclat qui va paraître, qui va disparaître. Mais la Bible dit que l'être extérieur se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, si on sait chaque jour entretenir avec le Père une relation personnelle, nous pouvons, comme dit l'apôtre, être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Tu peux peut-être avoir un corps qui se dégrade, mais avoir une vie intérieure renouvelée et puissante. Alléluia. Dieu est fidèle. Lui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est fidèle, nous dit l'Écriture, dans ses sentiments. Nous, nous varions dans nos sentiments. L'être humain est très inconstant sur le plan des sentiments. Il peut varier très rapidement. Il peut passer de l'amour à la haine très rapidement. On pense à Amnon qui se rendait malade tant il aimait, nous dit la parole de Dieu, sa sœur Tamar. Et puis ensuite, il va avoir une aversion presque physique au point de la reléguer après l'avoir violée. Ce n'est pas l'amour, ça. Les sentiments des hommes sont très variables. On peut avoir aimé Dieu
hier, Démas était un amoureux de Dieu, un compagnon de Paul. Mais Paul dira, il m'a abandonné. Parce qu'il y a un autre amour qui a pris la place dans son cœur, l'amour du monde. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et nous devons être très vigilants, frères et sœurs. Là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. On doit faire attention là où nous plaçons nos affections. Certains, je le dis à notre honte, ne connaissent pas Dieu et on le voit dans leurs priorités. Certains courent après les plaisirs, les loisirs, plus qu'après les réunions et la présence et la parole de Dieu. Et il est important, frères et sœurs, d'être fidèles, attachés à Dieu. Démas, et vous savez, on ne se détache pas de Dieu, on ne se détache pas de l'Église du jour au lendemain. C'est progressif. Suivez le geste. Pierre suivait de loin le Seigneur. Ne sois pas trop loin du Seigneur. Ne sois pas trop désintéressé par les choses de Dieu. Mais cherche le royaume de Dieu. Cherche encore le royaume de Dieu. Jusqu'à notre dernier souffle, il faudra être intentionnel, se battre contre notre chair, se battre contre l'atmosphère ambiante, une atmosphère de sommeil spirituel, une atmosphère toxique. Et nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Alors j'aimerais te dire, comme on le disait dimanche dernier, aime Dieu, mets Dieu en premier dans ta vie, et tu le retrouveras dans tout le reste de ta vie, pour t'aider, pour te soutenir dans les moments difficiles. Dieu a le droit de nous dire, c'est bien tout ce que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous avons un Dieu de passion. Allô ? Nous avons un Dieu de passion. C'est pour ça que la Bible dit que les jeunes sont comme une rosée. Les jeunes sont rafraîchissants. Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise la jeunesse, c'est l'entièreté. Quand on est jeune, pardonnez-moi les jeunes, on manque d'expérience, donc des fois on est un peu bête. Mais, oui, des fois on fait des bêtises parce qu'on est jeune. Et j'en ai fait. Mais, on a la passion au moins. Le danger de ton expérience à toi, c'est qu'elle nous endort, elle nous sclérose, elle nous tue, et tes peurs nous freinent. C'est David, le petit jeune de 17 ans, qui sur le terrain de bataille a fait la différence dans l'esprit. Maintenant, alléluia, tu peux être vieux, je suis pasteur, donc je sais après tout ce qui peut se passer après une prédication. Ce qui est bien, c'est quand tu vas à l'extérieur, tu peux dire n'importe quoi, puis tu t'en vas. Tu peux être vieux et un Caleb. À 85 ans, Caleb disait « J'ai autant de vigueur dans l'esprit que j'en avais quand j'avais 40. » La promesse de Dieu est fidèle, alléluia. Et Dieu ne varie pas. Il y a un verset que j'aime et qu'on doit, par la grâce de Dieu, inscrire au fer rouge dans notre cœur. Parce que si on est malheureux le plus souvent, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on ne se sent pas aimé. Alors, personne ne va dire ça. Mais la réalité, c'est que souvent nous souffrons parce que nous ne nous sentons pas aimés. Et ça fait encore plus mal quand ça vient de ceux qui devraient nous aimer. Les gens proches de nous peuvent vraiment nous faire du mal. Vous voyez, j'aime, j'ouvre une parenthèse, je la referme, j'aime David et Jonathan parce que Jonathan, qui devait être le premier légal en Israël, va comprendre que le jeune David, c'était lui que Dieu avait choisi. Il avait compris les choses dans l'esprit. Et David, donc, va, c'est le légitime, c'est celui que Dieu a choisi, mais il y a ce qui est institué dans le royaume. C'est dans les règles courantes, c'était le fils qui prenait la place du père. Mais Jonathan a compris que c'est David, ça sera David le futur roi, et pas lui. Et il sera le second à ses côtés. Et l'Écriture dit que Jonathan
va donner à David son armure. Il va donner son épée. Il va donner son arc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le langage de l'esprit? Ça veut dire « tu peux compter sur mon amitié fidèle ». Il est dit qu'il l'aima comme son âme. « Tu peux compter sur moi, je t'enverrai jamais une flèche de critique, de calomnie, de loin. » C'est l'arc. Des gens qui peuvent démolir des réputations, démolir des personnes à distance par la langue. Et David dira, ils ont la langue comme un glaive. Moi, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ça, c'est quoi? Je te remets mon épée, tu peux compter sur moi. Il ne sortira jamais de ma bouche des paroles pour te détruire. Donc, je te donne mon bouclier. Prends le bouclier, tu peux te mettre à nu et je n'utiliserai jamais ton intimité pour la retourner contre toi et te détruire. Ça, c'est la vraie amitié, le respect. S'il n'y a pas de respect, de loyauté, permettez-moi de vous dire, il n'y a pas d'amour. Dieu est engagé, lui, à nous aimer de façon durable, fidèle. Dieu est fidèle dans ses sentiments. Il dit ceci, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu te dit que je ne changerai pas envers toi dans mes sentiments. Oui, Dieu a des sentiments. Dieu est sensible. L'Écriture dit que le Saint-Esprit peut être attristé. L'Esprit de Dieu a des sentiments. Parce que Dieu est une personne. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu à notre image, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Et ce que toi tu ressens parfois intérieurement, même la colère ou l'amour, la joie, la tristesse, Dieu a des sentiments. Ça va? Dieu est engagé, Dieu est fidèle dans ses sentiments, Dieu est fidèle dans sa parole. L'Écriture dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tu peux compter sur la parole de Dieu. Tu peux compter sur les promesses de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dira la parole de Dieu, les promesses de Dieu, parce qu'il y en a plein des promesses dans l'Écriture, de protection, de guérison, etc. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Paul dit, elle est oui et amen. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, c'est vrai. On peut compter sur la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu est fidèle envers nous. Quand il nous parle, quand il nous donne des paroles, il s'attachera à sa parole. Il est lié à sa parole. Il est lié à son alliance. Il n'est pas lié à nos œuvres religieuses. Il n'est pas lié à nos mérites. Il est lié à sa grâce. Il est engagé. Vous savez, on a pris la Sainte Cène tout à l'heure. La Sainte Cène, les éléments de symbole sur lesquels le salut a été fondé. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Et ça, c'est du solide, mes amis. Celui qui croira en Dieu, celui qui croira en Jésus-Christ, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, parce que parfois on peut être troublé, on peut avoir toutes sortes de... Vous savez, quand on passe par des moments difficiles, on dit « Dieu, est-ce que tu es vraiment fidèle ?» Tu peux compter sur le Seigneur, tu peux compter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est fiable. L'œuvre de Jésus, c'est un fondement solide et inébranlable. Inébranlable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Tu es béni si tu as compris cela. Quelques situations, si vous voulez bien, dans lesquelles Dieu manifeste sa fidélité. Dieu est fidèle quand on passe par les épreuves de la vie. Je sais que nous passons tous et toutes, pas tout le temps heureusement,
Le Seigneur, c'est le bon berger. Hein. Il y a parfois, il nous conduit près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. On se sent bien, on est dans un environnement épanouissant. Et puis parfois, on traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est la vie. La vie chrétienne n'est pas censée être une vie toujours facile. Il y a parfois des moments d'opposition et de combat. Mais l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, perazo en grec, éprouvés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que Dieu, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans la volonté de Dieu. Tous les cheveux de notre tête sont comptés, alléluia. Alléluia. C'est une dure épreuve, ça, à supporter. On peut parfois passer par des épreuves où on est, Paul le dit, mais Dieu contrôle la nature de nos épreuves. Il sait, voyez un peu comme quelqu'un qui est en train de porter des poids, et puis il sait qu'il ne faut pas en rajouter un là. Parce que s'il rajoute 5 kilos, tu vas t'écrouler. Donc il veille avec grande précision pour... faire en sorte que tu ne t'écroules pas dans la difficulté, dans l'épreuve. Il a déjà préparé le début et la fin de l'épreuve. Dieu est omniscient, il sait tout. Il est hors du temps. Pareil, quand ce mot, on le retrouve quand il est dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est un mystère, c'est que des fois, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit au désert. Alléluia. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Parfois, l'Esprit de Dieu nous amène au désert. Et il est dit, pour être tenté, perazo, par le diable, éprouvé. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Seigneur est fidèle quand on est tenté, éprouvé. Et il mesure le commencement et la fin de l'épreuve. On connaît également l'histoire de Smyrne, de cette église qui a été éprouvée. Je vous le lis, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que peut-être que tu vas souffrir des choses. Hein. Voici le diable. On ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur permet ces choses. Hein. Moi, je ne suis pas Dieu. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Perazzo, et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dieu dit, tu vas passer par une épreuve de 10 jours, tu vas passer par le désert, le diable, il va te secouer, mais je ne permettrai pas, parce que je suis fidèle, que tu craques. Je ne permettrai pas que tu t'écrouleras, mais avec l'épreuve, j'ai déjà préparé à l'avance le moyen de t'en sortir. Amen. Dieu est fidèle quand on passe par des épreuves dans la vie. Dieu est fidèle, bien sûr, pour nous protéger de Satan. Satan est une réalité, c'est une entité, il fait la guerre à l'Église. L'Écriture dit qu'il est descendu sur la terre et il est en colère, et même il est animé d'une grande colère. Et on l'a en face. On l'a en face. C'est pour ça que la Bible dit, ne te trompe pas de combat. Combat, le bon combat de la foi. On n'a pas à lutter contre les uns et les autres. Ça, c'est les chrétiens charnels qui font ça. Nous, nous luttons contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. C'est ça notre combat. C'est pour ça qu'on est revêtu des armes de Dieu. C'est pour ça qu'on doit tenir ferme. Parce qu'on a compris que le diable fait la guerre à l'Église. On veut sauver des âmes, oui ou non? C'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine qu'on gagne des âmes. C'est à genoux dans l'intercession et la prière. C'est pas avec des belles prédications et même des beaux cantiques. C'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction de Dieu, elle éclate les jougs, elle explose les jougs de l'adversité. Et Dieu nous donne son joug doux et léger, son fardeau léger.
Dieu est fidèle pour nous protéger de Satan et de ses attaques. Et Satan cherchera en permanence, il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Permets-moi de te dire que si tu as une faiblesse, t'es mieux de la régler tout de suite. Tout de suite, Satan cherche des accès à ta vie, à ton âme. Il cherche tes faiblesses et il les connaît. Il est intelligent, il est malicieux et il est séducteur. Et on a besoin, on va en parler je crois mardi prochain, du discernement des esprits. Pour ne pas se faire fourvoyer et dire « le serpent m'a séduite ». Oui, mais t'as cassé ton couple, t'as cassé tes enfants, t'as tout cassé. Parce que le serpent t'a séduite. Et il y a toujours des conséquences. Dieu pardonne, bien sûr. Mais parfois, il faut récupérer la casse. Mais alléluia! La Bible dit, le Seigneur est fidèle. 2 Thessaloniciens 3:3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Dis à ton voisin, ça va aller, il va te préserver du malin. Dieu est fidèle pour nous pardonner quand on a péché. Peut-être que ce matin, tu es là, et il y a dans ton cœur cette voix qui te dit « Mais tout ça, ce n'est pas pour toi. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais à la hauteur. Oui, les pasteurs, mais ils sont perchés, ils ne font que prier, lire la Bible. Mais moi, j'ai un boulot, j'ai une famille, la vie est dure. Et parfois, je combats encore des péchés. Je combats encore des péchés dans mon esprit, devant la télévision, devant le petit écran. Ça, ça peut être très bien utilisé, mais ça peut détruire ta vie spirituelle. Ça peut être ton cancer. Et le cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enlever. Il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que même si tu as péché, et je ne vous fais pas la leçon, je suis aussi un pécheur. Pour le Amen, vous aurez pu vous garder. Bon, il était modeste. Mais oui, on pêche tous. Vous savez, on pêche même de façon inconsciente. Bon, parfois, les gens m'ont dit, « T'as fait ça ?» Bon, ben, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, je ne l'ai même pas vu, tu vois. Il y a des péchés par omission. Et David disait, avec beaucoup de sincérité, de simplicité, « Pardonne-moi les péchés que j'ignore. » On pêche par ignorance parfois. On pêche parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu. La Bible dit que le simple s'avance et il est puni. Parfois, on n'avait pas conscience des choses. Mais vous voyez ce qui est beau avec le Seigneur. Comme on disait un jeudi d'avant, c'est que Dieu nous est propice. Dieu est de notre côté. Allô? Dieu est de ton côté. Dieu est engagé parce que l'alliance de Dieu, elle n'est pas basée, encore une fois, c'est important ce que je dis, j'espère, elle n'est pas engagée, l'alliance de Dieu ne repose pas sur nos mérites, sur nos perfections, sur notre sanctification, mais sur l'œuvre de Jésus. C'est important pour se dédouaner psychologiquement dans la conscience. C'est pour ça qu'il n'y a que la croix qui puisse vraiment te libérer intérieurement. C'est une puissance, la croix. Et Jean dit, si nous confessons nos péchés, donc il faut quand même en avoir conscience, parce que le problème, des fois, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on est des pécheurs. Il faut prendre conscience de nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça fait du bien de se sentir propre. Oui ou non? Quand j'ai fait la mission à Paris, la CRC, je logeais dans un endroit et là, j'avais pas de chance, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, je ne me suis pas lavé le premier jour. Puis après, le lendemain, j'ai dit au frère, il n'y a pas d'eau chaude, frère. Ah, il m'a dit, ben, il m'a conduit vers une autre, c'était une structure, une école, vers une autre douche. Il m'a dit, là, ok, tu iras là, tout ça. Le lendemain, je vais avant la réunion, enfin, je vais, oh, là, c'est le robinet qui est bloqué.
Ça faisait 2 jours que je n'étais pas lavé en pleine mission, tu vois. Et j'ai dit, c'est pas grave, je me suis occupé moi-même. J'ai pris mon téléphone, je suis allé, tac, je regardais un hôtel. Un bel hôtel, alléluia. Quitte à voyager, voyons bien. Et mais je l'ai pris sur mon compte, hein. J'ai dit, c'est pas pour vous. Et je suis allé le troisième jour, j'ai pris une douche. J'ai été content. J'ai dit, ça fait du bien, ou le deuxième, ouais, le troisième jour, ça fait du bien de se sentir propre, alléluia. Mais moralement, c'est la même chose. David disait, après avoir péché, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il se sentait pas bien dans son cœur. Il se sentait repris dans sa conscience. Jusqu'au jour où Nathan va aller vers lui en lui disant, « David, tu as péché. » Parfois, on a besoin d'aide. Oui, on a besoin même parfois des serviteurs de Dieu, des parents aussi, qui nous disent, « Hé, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu ne devrais pas te comporter comme cela. » On a le droit de le faire, frères et sœurs. La Bible dit « dénoncer les œuvres des ténèbres. Dénoncer ce qui ne va pas, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas réglé. Dénoncez-le, dites-le. » Est-ce qu'on a le droit de dire encore la vérité sans qu'on se retourne contre nous et qu'on change d'église? David dit à Nathan, et c'est la différence entre Saül et Nathan, c'est qu'à vue humaine, les péchés de Saül étaient moins graves que ceux de David. La différence, c'est que David, c'est quelqu'un qui avait un cœur selon Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous demande d'être vrai, d'être honnête avec lui. Et quand c'est l'heure de dire, « Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas bien fait », c'est bien de le faire. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel ». Il ne dit pas comme Saül, « Honore-moi aux yeux des anciens ». Il ne cherche pas les apparences. Ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, l'Église, elle doit faire attention à cela. C'est bien les équipements, mais c'est mieux la réalité, le fond. Il faut la forme, je ne dis pas, on est en 2023. Mais s'il y a la forme et plus le fond, on se trompe. On doit toujours être sérieux et vrai avec Dieu. On ne joue pas un spectacle. On ne joue pas à l'Église. Parce que sinon, le Seigneur nous dira, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ça veut dire quoi? On peut être ici, lever les bras, et c'est bien de le faire. Comprenez-moi bien, il faut être équilibré. Moi, je le fais, je m'éclate dans la liberté de Dieu. Mais Dieu ne négocie pas avec sa parole. Sa parole, elle est éternelle. Elle doit être observée. Et nous devons vivre en conscience devant Dieu. Paul dira, je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience devant Dieu. Donc l'Éternel dira, Nathan à David, pardonne ton péché et tu ne mourras pas. Pour vous encourager, je dirais que ce processus de transformation, parce que Dieu veut nous transformer. Vous savez, on est chrétiens, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme Christ. Un chrétien, c'est un petit Christ. On doit sentir Jésus. On doit sentir la bonne odeur de Jésus. Eh bien, cette œuvre-là, des fois on est étonné de certains comportements, mais on pardonne. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et le lui-même, il est important, tout entier, et que tout votre être, esprit, ça commence là. La Bible dit, ne sois pas infidèle dans ton esprit à la femme de ta jeunesse. Ça commence là. Ne sois pas infidèle dans ton esprit à la femme de ta jeunesse. Tout commence là. David a eu besoin de demander pardon parce qu'il a vu. Il n'a pas veillé sur son cœur. D'accord? Donc il faut être radical avec notre vie intérieure, avec nos pensées. Parce que nos pensées sont des semences. Ça commence dans l'esprit. Je dirais, Dieu nous sanctifie, mais Dieu a besoin de notre aide, de notre partenariat. Ce n'est pas vrai, la grâce, tout est grâce. Non, il y a la grâce,
Mais la grâce enseigne, dit l'Écriture. Elle enseigne. Elle proclame des choses. Et elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous dit la parole de Dieu. Amen. Lui-même, tout entier, que tout votre être, esprit, âme, même nos émotions, parfois on a des émotions qui ne sont pas la gloire de Dieu. On se rappelle de Caïn qui était irrité contre son frère. On doit sanctifier, laver notre âme, restaurer notre âme pour avoir des émotions positives et à la gloire de Dieu et le corps, voilà, se laver, être propre. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Alors, prends courage. Dieu, ce qu'il a commencé, il va l'amener à la perfection. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Quand on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, vraiment, des fois, on ressent dans notre cœur, on constate dans notre cœur qu'on a des progrès à faire. Mais c'est bien, continuons. Que tes progrès soient évidents pour tous. Continue à progresser. Continue à grandir en bienveillance, par exemple. Ça, je vais le glisser encore. J'ai appris, moi, je suis maltais d'origine. Là où l'apôtre Paul a échoué après le naufrage d'Acte 27. Et la Bible dit que les barbares étaient les accueillir avec une bienveillance peu commune. Donc les Maltais étaient connus pour être des personnes avec une bienveillance peu commune. Et je comprends pourquoi, donc. La bienveillance peu commune de votre pasteur, ça vous fait rien? Non, ça vous fait rien, d'accord. Voilà d'où elle vient, de mes ancêtres lointains. Ah, ben là, j'aime bien le amen. La question est celle-ci. Est-ce que face à la fidélité de Dieu, face à ce Dieu fidèle, on lui fait foi? Est-ce que face à la fidélité de Dieu, je l'honore par ma confiance? Est-ce que des fois, le Seigneur pourrait ne pas être attristé en nous voyant inquiets, stressés, parce que finalement, on n'a pas confiance? On ne sait jamais si jamais ça se passe mal, écoute, toujours garder une poire pour la soif. Non, en réalité, on doit honorer Dieu et lui faire confiance. Confiance à sa fermeté. Il nous tient dans le creux de sa main. Confiance à sa fidélité. Confiance à son amour inconditionnel. Alléluia. La Bible dit que dans l'Écriture, que Sarah, Hébreux 11:11, Sarah elle-même, parce qu'on parle souvent d'Abraham, vous savez, c'est très important de fréquenter des bonnes personnes, oui ou non? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Sarah était bénie parce qu'elle avait épousé un Abraham. Donc si tu veux être béni, épouse quelqu'un qui a la foi. Voyez, Lot et sa famille, ça a été une catastrophe. Parce que Lot, c'était le professionnel, l'expert des mauvais choix. Un homme charnel. Tandis qu'Abraham, c'était un homme de l'esprit. C'était un homme de principe. C'était un homme de Dieu. Un homme de foi. Et quand tu es près d'un homme de foi, d'une femme de foi, eh bien, tu vas grandir à l'ombre de sa foi. C'est pour ça que l'Église, c'est important, c'est essentiel. Parce que dans l'Église, nous rencontrons, nous avons des pères, des mères, nous avons des grands frères, des grandes sœurs, nous avons des grands-pères, des grands-mères, et nous avons aussi des petits frères que nous aidons dans la foi. Il est dit que Sarah, Hébreux 11:11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu crois à la fidélité de Dieu? Est-ce que tu crois en sa fidélité, à ça qui dure, qui est riche et qu'on chante régulièrement? Sarah a cru malgré le temps qui a passé et les impossibilités naturelles. Parfois, tout nous dit « ça ne va pas le faire ».
Naturellement, parfois, ça semble bloqué. Cette relation, ce travail que je cherche, ces problèmes de santé, cette stérilité, ce projet, etc. Mais Sarah a cru malgré le temps qui passe. Et le temps, parfois, nous use. Le temps peut nous décourager. Mais Sarah a cru malgré les évidences contraires. Et les voix mensongères dans sa tête, parce que ces gens-là, c'était des hommes et des personnes de la même nature que toi et moi. C'était des gens qui ressentaient les choses comme nous les ressentons. Ils avaient parfois dans leur esprit, dans leur pensée, des pensées négatives, des choses qui les tourmentaient. Mais ils ont choisi de croire dans les promesses de Dieu. Alléluia. Sarah a cru malgré ses échecs et ses erreurs passées. Sarah a parlé un jour, vous connaissez le récit biblique, à Abraham. Et Abraham, nous dit l'Écriture, a écouté la voix de Sarah. Et ce jour-là, elle n'était pas inspirée par la grâce de Dieu. Croyez-moi, il y a des fois, on n'est pas inspiré par la grâce de Dieu. C'est pas l'inspiration, on ne chante pas sous l'inspiration de la grâce. On dit des bêtises et le problème, c'est qu'on fait les bêtises que l'on dit et on prend des mauvais choix. Et là, Sarah, elle va pousser son mari dans les bras d'une autre et ça va être la naissance d'Ismaël. Mais malgré cela, elle va croire encore. Dieu n'est pas celui qui nous enferme dans notre passé et dans nos erreurs. Dieu est celui qui a pour chacun et chacune d'entre nous la grâce, encore une fois. Amen. La foi, selon Hudson Taylor, qui était un missionnaire anglais qui est parti en Chine et de renommée mondiale du 19e, disait ceci, c'est savoir s'appuyer sur la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Je répète, parce que je sens que votre esprit est parti, c'est savoir s'appuyer sur la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Je vais inviter David à venir sur le devant. Si tu peux trouver la mélodie, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. J'aime un verset qui dit « Mon âme compte sur le Seigneur ». Arrête de compter sur tes propres forces. Arrête de compter sur les gens autour de toi. Arrête. Tu seras toujours déçu par toi-même et par les autres. Il faut que ton âme, elle compte sur le Seigneur. Mon âme compte sur le Seigneur plus que sur les gardes ne compte sur le matin. Moi, j'ai fait le service militaire. Je sais ce que c'est les veilles de nuit, équipées dans la nature, tout ça. Et quand tu t'endormes et qu'il ne faut pas dormir parce que tu es de garde, de veille, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Tu peux compter sur lui. On m'a envoyé cette anecdote que j'ai trouvée intéressante qui nous montre qu'on peut compter sur le Seigneur dans nos nuits, dans nos difficultés. On peut croire en sa fidélité. Et je le dis également, si tu as reçu une promesse de Dieu pour un ministère, pour un appel, pour je ne sais pas quoi, si Dieu t'a parlé, eh bien tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Cette anecdote, c'est l'évêque Goba de Jérusalem qui était un jour profondément découragé. Un retour d'une longue tournée missionnaire, il avait le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Découvrant une caverne, il y entra et resta longtemps en prière, disant au Seigneur, combien était grand son sentiment d'abandon. Vous savez, des fois, on est comme Job, hein. On dit, où tu es, Seigneur? Moi, j'en peux plus. Stop, 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 stop. Ses yeux finirent par s'habituer à l'obscurité, et quelle ne fut pas son épouvante d'apercevoir à ses côtés une bête sauvage. C'était une hyène avec ses petits. On dit qu'il n'y a pas d'animal plus féroce qu'une hyène avec ses petits. Mais grâce à la protection de Dieu, celle-ci à aucun moment ne fit mine de vouloir le toucher et il put sortir sain et sauf. Au moment où nous nous sentons le plus abandonnés, Dieu lui-même prend soin de nous et nous sauve
de danger insoupçonné. Je le dis dans la foi que Dieu s'occupe de toi. Si tu es dans la nuit, dans la caverne du découragement, ça a été vrai pour cet homme de Dieu des temps modernes, ça a été vrai pour Élie, ça a été vrai pour Pierre qui a coulé, ça a été vrai pour Jésus lui-même qui a eu besoin du secours d'en haut. Un ange est venu le toucher, le fortifier. Quel que soit ton besoin, Dieu est fidèle. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Et je vais chanter « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». On peut le chanter ? On le chante de tout notre cœur. « Quel ami fidèle et tendre ». Tu peux faire la mélodie peut-être, David ? Merci. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, un petit peu plus vite, à répondre à notre cri. Défaillance, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, un petit peu plus vite, mais riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, amen, nous avons Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit, oui, s'il nous voit vrais et sincères. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce ce matin. Merci parce que tu es ici, tu es présent, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Seigneur, et je prie afin que cette vérité de ta fidélité, Seigneur, puisse être vraiment, Seigneur, inscrite en nous et que, comme Sarah, Seigneur, comme ces serviteurs de Dieu dans le passé, nous puissions nous aussi, par la foi, considérer ta fidélité, nous appuyer sur toi, compter sur toi. Et je sais, Seigneur, que nous ne serons jamais déçus quand nous nous appuyons sur toi. Parfois, on a été déçus dans ce monde. Mais Seigneur, c'est parce qu'en réalité, on n'avait pas compris tes plans. On n'avait pas compris tes desseins. Comme les disciples d'Emmaüs, ils n'avaient pas compris, ils étaient dans la confusion. Mais tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu es ressuscité le troisième jour en gloire. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie ce matin. Peut-être pour quelqu'un qui est esclave du péché, esclave de la peur, esclave de ses souffrances. Je te prie, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus,
de l'encourager, de démontrer dans sa vie ta puissance, ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas par ta puissance. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Amen. On termine avec un chant pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais je n'en ton amour. Tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. On chante ensemble l'église. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Tu dis mais pas. Tu dis mais pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre. Toi, cette vie que tu meurs, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Alléluia. Maintenant je vis. Jésus, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Pour sa parole.
Merci au Seigneur. Et à cet après-midi, 17h, que Dieu vous bénisse. On vous aime.